Bien-aimés de Dieu, nous célébrons ce jour de concert avec l'Église universelle, le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Vous êtes venus en quête de lumière, la lumière de Dieu. Sachez donc que Dieu est esprit, que tous ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. En son nom béni, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu saint où nous devons Église, un lieu redoutable, car ici c'est la maison de Dieu, ici c'est la porte des cieux. Je vous accueille avec joie, avec amour, avec enthousiasme, et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et de l'Esprit Saint, notre Consolateur, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Je vous prie de vous lever pour adorer le Seigneur avec moi d'un même cœur. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse et recourt à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles et des jugements de sa bouche. C'est lui, le Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui nous gouverne et qui gouverne toute la terre. Il s'est toujours rappelé son alliance. Parole est dictée pour 1000 générations. Que tout ce qui respire loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Bien-aimés, chantons pour louer le Seigneur, le cantique Dieu Tout-Puissant.
Unissons-nous dans la prière de louange. Seigneur Dieu, ta puissance et ta gloire nous sont apparues sur cette terre en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Accorde-nous de reconnaître les signes qu'il accomplit parmi nous, lui qui est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il transforme nos manques en plénitude, comme il transforma l'eau de Cana en un vin délicieux. Qu'il transforme également nos plaintes en cantiques de louange. Par lui, qui vit et règne avec toi le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez reprendre place. Dans le recueillement, écoutons, bien-aimés, dans la foi, de quelle manière le Seigneur veut être servi. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous accordera le repos. Prenez son joug sur vous et apprenez de lui, car il est doux et humble, et vous trouverez le repos de vos âmes. Approchez-vous par la foi, présentez-vous humblement devant Dieu pour confesser vos fautes, afin de vous réconcilier avec lui par la médiation du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, la volonté de Dieu. Seulement, nous n'avions pas toujours su faire la volonté de Dieu. Et il nous arrive des moments où, carrément, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Mais voyez-vous, notre Dieu est lent à la colère, riche en miséricorde. Voilà pourquoi je nous invite maintenant à nous humilier devant la présence de Dieu et à implorer sa miséricorde, son pardon. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, tu sais toutes choses. Nous ne pouvons pas échapper à ton esprit, ni fuir loin de ta face. En Noël, nous avons contemplé l'abaissement et la pauvreté du Sauveur des hommes. Nous avons chanté ses louanges. Et maintenant déjà, les préoccupations de ce monde effacent de nos cœurs cette lumineuse vision de Noël. Seigneur, nous sommes indignes de toutes tes bontés. Nous trahissons sans cesse ton amour. Nous manquons d'humilité et de désintéressement. Mais nous sommes trop faibles pour nous corriger. Délivre-nous de nous-mêmes et de la condamnation que nous méritons. Fais-nous vivre par l'esprit de ton Fils bien-aimé, afin que nous devenions pour toujours tes enfants. Que tout ce qui est vrai, honnête, pur et juste soit l'objet de nos pensées. Maintiens-nous dans ta paix. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons dans le recueillement de cantiques dans ma misère. Thank you.
dans la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Fondé sur cette parole, dit d'être reçu avec entière confiance. Et en tant que pasteur, esclave de Jésus-Christ, avorton de Dieu, à tous ceux qui se repentent et qui croient, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, bien-aimé, va dans la joie et ne pêche plus. Ta foi t'a sauvé. Je nous invite à chanter maintenant notre reconnaissance au Dieu de notre salut, au Dieu de notre pardon, lorsque nous chantons toutes les strophes du cantique « Sur toi, je me repose ». Maintenant notre foi telle qu'elle est écrite sur l'écran. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne,
à son amour qui me pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen. Veuillez reprendre place. Demandons au Seigneur de nous éclairer par son esprit. Ô notre Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton Évangile. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons notre lecture biblique avec un extrait du livre de l'Exode, au chapitre 33, les versets 18 à 23. Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit : Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. La seconde lecture est dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 10. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue,
ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le texte de l'Évangile du jour se trouve dans Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Seigneur, ta parole est lumière et vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au cantique 232 comme un souffle fragile, les 3 strophes.
Chers frères et sœurs de Thionville, je vous salue de Strasbourg et vous dis mon bonheur d'être parmi vous ce matin. J'ai eu quelques hésitations jusqu'à hier soir ou hier après-midi. Et finalement, je suis content d'être là avec vous pour ce culte, pour ce temps d'écoute de la parole, de chant, de prière, silence partagé. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu nous as promis ton esprit de fidélité pour nous conduire dans ta vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant ta parole et par elle une parole de vie pour nos existences. Qu'elle apaise nos cœurs, qu'elle creuse notre soif d'avancer vers ton royaume. Que ta parole crée en nous un cœur de chair, un cœur capable d'aimer, un cœur rempli d'affection pour ces frères et sœurs que tu nous as donnés, afin qu'ils nous aiment et que nous les aimions. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Au commencement de cette année, nous continuons à vivre un temps particulier, ce temps particulier que nous connaissons maintenant depuis le surgissement de cette pandémie. Un temps fait d'inquiétude, de privation, de masques, de distance que nous cultivons les uns vis-à-vis des autres, d'interdiction, de couvre-feu, d'une vie réduite à ce que le gouvernement a qualifié d'essentiel et qui n'est en fait que le primaire, se nourrir, aller travailler. Un temps qui nous a précisément rappelé combien la vie sociale, la vie culturelle et la vie cultuelle et spirituelle sont essentielles à nos existences. Priez ensemble, comme vous le disiez tout à l'heure. Notre société ou nos contemporains avaient l'habitude de chercher l'extraordinaire et l'exotique. Et voilà que la pandémie nous rappelle combien l'ordinaire est essentiel. Alors au commencement de cette année, nous commençons tous à être un peu usés. Et nous nous questionnons sur comment nous allons retrouver ces choses si essentielles. On dit que les étudiants sont profondément affectés, beaucoup frisent la dépression, sont en grande difficulté. En plus, on nous rappelle qu'il faut éviter absolument une seconde fermeture des classes, tant la première a été désastreuse pour notre jeunesse. Et l'impact gigantesque de l'économie, on n'en parle guère actuellement pour ne pas saper le moral des Français. Et donc au commencement de cette année 2021, nous sommes surtout désireux de tourner la page de 2020, ou plus précisément la page de la Covid-19, au plus vite. Et on nous parle à longueur de journée de ce qui représente notre seul espoir de salut, ce vaccin. Oui, le seul espoir de salut, ce vaccin, dont on nous rabâche le taux d'efficacité. On fait des reportages sur sa production, sur comment il quitte les usines, comment il est acheminé. On nous détaille les procédures de vaccination pensées par des énarques. Quotidiennement, vous pouvez comparer l'efficience des pays européens et de suivre l'évolution du taux des Français qui sont volontaires pour se faire vacciner. Vous n'avez que ça. Malheureusement, aux États-Unis, on a pris d'assaut le Capitole et puis on a eu un deuxième événement, mais on n'aurait eu que ça depuis le début de l'année. Car tout le monde ne désire qu'une chose, redonner de l'épaisseur et de la consistance au présent, à nos vies. Pour que le temps de notre vie ne file pas tout simplement comme un présent inconsistant qui file vers demain, vers le passé en fait, pardon.
comme si l'avenir allait glisser vers le passé, sans qu'on ait réellement pu vivre un temps présent, fait de ces choses si essentielles. Au commencement de l'évangile de Jean, était la parole. Et la parole était Dieu. Elle était auprès de Dieu. Vous connaissez ce magnifique poème qui situe la présence du Christ dans l'histoire des humains, non dans l'horizon d'un récit de naissance, d'une naissance annoncée, d'une fuite en Égypte, etc., d'un meurtre, d'un massacre des innocents, mais dans l'horizon d'une parole, la parole de Dieu, qui s'est faite chair. Et vous avez dans ce récit des commencements, du commencement de l'évangile de Jean, une résonance théologique avec un autre commencement. Précisément, c'est le même mot qu'on trouve au début de la Genèse, « Bereshit bara Elohim ». Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Une résonance théologique qui montre que cette parole qui s'est faite chair est également celle qui a structuré le chaos pour rendre notre monde viable et vivable. Et le récit, puisque c'est le texte des noces de Cana, puisque c'est le texte qui est proposé pour ce jour et qu'il est toujours saint, de se coltiner les textes qui sont proposés, parce qu'on a dans l'Évangile des textes qu'on aime et d'autres qui dérangent. Donc le texte de ce jour est donc ce récit des noces de Cana, se situe dans la lignée de ces textes des commencements. Ne se conclut-il pas par cette mention que Michel vient de lire, « Tel fut le commencement ». Alors il a lu le premier miracle dans le texte grec, « Tel fut le commencement des signes de Jésus ». Et Jean de nous inviter à ne pas lire ce texte comme le récit d'un prodige, aussi incroyable ou appréciable soit-il, mais bien de nous interroger sur la signification. Vous êtes des familiers de l'Écriture et vous savez très bien que Jean n'utilise pas le mot miracle. Enfin, en grec, c'est dunamis, ce qui montre la puissance de Dieu. On a beaucoup évoqué la puissance de Dieu. Jean, pour parler des miracles, utilise l'expression signe, semeion en grec, comme pour dire que c'est moins une manifestation de la puissance de Dieu que un signe à interpréter que Dieu nous donne. Et donc les miracles sont en fait des signes à interpréter. Eh bien, il faut nous interroger sur ce signifié. Car un signe n'est pas seulement là pour être admiré, il est fait pour être interprété. Il vaut mieux prendre en compte les pictogrammes que vous avez sur vos vêtements pour ne pas les laver trop chaud, sinon vous savez ce qu'il adviendra après 3-4 lavages. Donc ce signe-là aussi, des noces de Cana, est fait pour être interprété. Et en plus, qui plus est, il se présente comme le premier, le commencement des signes. Comme pour introduire ce formidable chemin de la genèse de l'humain que Dieu initie en Jésus-Christ. L'évangile de Jean commence le ministère de Jésus en nous racontant que Jésus participe à un banquet de mariage bien arrosé. Eh bien oui, il y a là un signe. Oui, aussi compliqué que ça nous paraisse, il y a là un signe. Et cela, ce surgissement du ministère de Jésus ne se présente pas comme une fin du monde, n'en déplaise à tous les collapsologues. Ce n'est pas non plus un programme de privation ou d'amputation de certaines dimensions de notre être qui est annoncé. Au contraire, ce ministère de Jésus s'inaugure dans le cadre d'une fête joyeuse qui célèbre la rencontre de deux personnes qui s'aiment et se lient pour la vie. Voilà le signe ou le cadre du premier signe que Jésus-Christ pose dans son ministère de l'Évangile de Jean. Nous voici donc ce matin présents
pour nous laisser interroger par la signification de ce miracle de Cana. Avant de vous proposer une approche de ce signifiant, peut-être une dernière remarque. Dans l'évangile de Jean, Jésus fera en fait place à 7 signes. C'est assez biblique le chiffre 7, hein, c'est la rencontre de 3 et plus 4, du ciel et de la terre. Et en fait, ce signe-là est un peu le signe dont tous les autres vont tirer leur substance. C'est un peu un signe programmatique, si vous voulez, qui donne une indication décisive sur la manière dont l'évangile de Jean comprend ce commencement de la présence de la parole de Dieu parmi les humains. C'est une entrée en matière bien arrosée, vous avez pu l'entendre, puisque la quantité du nectar divin frise les 700 litres. Pour un mariage, hein. Je ne sais pas si vous organisez un mariage avec une centaine de personnes, vous avez peut-être 100 bouteilles, ça fait 75 litres, et encore c'est beaucoup. Donc 700 litres, vous voyez la quantité. Alors pour interpréter ce signe, je propose d'essayer de comprendre par les yeux des disciples qui accompagnaient Jésus. C'est une approche qui a été développée un jour par le pasteur Louis Simon dans un petit livre qui s'appelle « Mon Jésus ». En fait, il faut se rendre compte que juste avant le texte que nous lisons, il y a ce texte un peu compliqué à lire où Jésus rencontre ses premiers disciples et les appelle à sa suite. Et ces rencontres sont un peu déroutantes pour nous parce qu'on a une multiplication de noms dont on ne comprend pas très bien qui est qui et comment on les situe. Et puis après, on a une multiplication de titres qui sont utilisés pour parler de Jésus, qui est pire que la foire du christianisme actuel. Agneau de Dieu, Rabbi, Maître, Messie, Christ, celui dont parle la loi et les prophètes, Fils de Dieu, Roi d'Israël, Fils de l'homme, tous les titres en même pas 10 versets. Et chacun avec sa propre approche. Je veux dire, le christianisme entre orthodoxes, catholiques, protestants, entre les plus évangéliques, les plus libéraux, le christianisme social, n'a rien à envier à cette foire des disciples que Jésus appelle à sa suite dans ces versets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut répartir ces disciples que Jésus appelle en 3 groupes. Il y a 2 disciples de Jean-Baptiste, vous savez, le réformateur dans le désert. Il y a Nathanaël, ce juif très orthodoxe, en qui il n'y a aucune fraude, rien de faux ou pas de ruse. Et puis il y a le groupe des judéo-grecs, représenté par un homme au nom grec, donc Philippe. Donc je vous propose de voir comment ces 3 personnes ont pu vivre les noces de Cana. Et vous comprendrez, je crois, quelque chose du signe au commencement de l'évangile de Jean. Premièrement, parce que je crois que les 3 groupes ont pris un vrai choc à Cana. Une réelle remise en question, j'allais dire, de leur religiosité, de leur compréhension de Dieu, de leur compréhension du monde. Ils ont été remis en question, peut-être même mis à l'épreuve. Et si le texte conclut juste après cette phrase, le premier signe ou le commencement des signes de Jésus, il est dit « et ses disciples crurent en lui ». On a l'impression qu'ils ont tous réussi l'épreuve, ils ont tenu, ils sont entrés dans le questionnement et ils sont entrés dans la dynamique de l'évangile. Alors commençons par les moralistes, les réformateurs du désert. J'ai appelé les moralistes, mais c'est un peu ça. Donc les disciples de Jean. Il est à peu près certain que les milieux de Jean-Baptiste et de ses disciples étaient des Esséniens. C'est-à-dire, c'est une secte juive, disons, c'est un des groupes ou un des mouvements du judaïsme de l'époque et qui vivait notamment dans le désert, qui s'était retiré du monde et installé dans ce fameux site que vous connaissez sûrement, Qumran. En fait, ils étaient très très rigoureux. Ils respectaient la loi absolument, avec une grande rigueur.
un peu comme les cathares, hein, c'est des gens quelques siècles plus tard bien sûr, mais c'est des gens très rigoureux. Ils rejetaient le monde, ils s'étaient retirés dans le désert pour vivre dans une communauté, parce que pour eux le monde c'était le mal, la corruption, la luxure, le péché. Et en communauté, ils vivaient, ils ont inspiré d'une certaine manière aussi les premières communautés chrétiennes, le partage du pain, du vin, et le partage aussi des biens. Ils baptisaient, ils s'interdisaient toute nourriture animale, sauf le poisson, qui est déjà végétarien, pratiquement. Un type de vie monastique, austère, rigoureuse. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux des disciples qui ont cette culture que Jésus emmène à Cana. Alors vous les imaginez, eux qui étaient retirés du monde, tout à coup dans une foule qui fête le mariage, alors qu'à Qumran, on ne se mariait pas. On attendait pratiquement la fin du monde par une ascèse extrêmement rigoureuse. Et bien précisément, Jésus emmène ces gens à un mariage. Et c'est une rupture totale avec le discours de Qumran et avec le discours de Jean-Baptiste. Ça a dû être un trouble profond dans lequel les a embarqués ce nouveau maître, alors encore peut-être un peu inconnu. Ils les ont entraînés au cœur de la vie du monde, un mariage, où les gens fêtent, se réjouissent, vivent leur vie, la vie qui est donnée. Sans compter qu'au moment où cette fête risque de tourner court, Jésus en rajoute une couche en sauvant la fête avec un breuvage, c'est-à-dire un nectar divin ou digne des grands crus. Voilà donc la première remise en question que ce signe de Cana pose, découvrir que l'évangile n'est pas opposé au mariage, à l'union sexuelle d'un homme et d'une femme, à la vie, son épanouissement, au projet de vie, de foyer des uns et des autres. L'évangile n'est pas une invitation à quitter le monde, à se retirer dans une austérité rigoureuse ou monastique. C'est justement une invitation à vivre la joie communicative qui célèbre la vie, l'amour d'un jeune couple. Loin de mutiler, l'évangile encourage à la fête et multiplie le bonheur des uns et des autres. Non dans la suivance d'un Christ, ou alors dans la suivance de Christ, il n'y a pas de place pour ceux qui voudraient une vie exclusivement austère, rigoureuse, pour les sobres, les secs, dit Louis-Philippe, pour les coincés de la religion. L'évangile n'est pas de l'eau, mais le vin. Ce n'est pas la continence, mais la fête en abondance. 700 litres de nectar divin pour l'amour des couples et la fête. Voilà le commencement des signes de Jésus. Quel choc pour les buveurs d'eau. Chacun sert d'abord le bon vin, et quand tout le monde est saoul, le moins bon, toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant. Quel choc ça a dû être, cette phrase, pour ces deux disciples de Jean, avec leur culture religieuse d'origine. La vie n'est pas une mortification pour l'évangile, mais une fête. Tout homme prend son origine et trouve sa liberté dans la fête. Voilà la première remise en question de Cana. Ensuite, la deuxième, c'est Nathanaël, un juif, donc un véritable israélite. En fait, il accepte beaucoup de choses dans la vie du monde, pour peu que finalement le rite le sanctifie, on va dire ça comme ça, le bénisse. Or, dès qu'il arrive à Cana, dans cette fête, il voit les 6 jars qui étaient destinés à la purification, et il a dû être rassuré en disant « Ouh là là, c'est certes un mariage, on est dans le mondain, mais le rite a été fait, donc je suis rassuré. » Tout ce qui est mauvais, cette vie ou ce monde qui est peut-être mauvais par nature, a été rendu moins infirme ou moins mauvais ou lavé par le rite. Le mariage, par exemple, est une chose légitime. Il s'agit de la recevoir à l'époque pour les juifs, voilà, avec la bénédiction du rite. Donc les 6 jars étaient de nature à rassurer Nathanaël. On peut boire maintenant, se marier, puisque le rite va tout bénir.
Et bientôt, la purification va transformer ce plomb, ce vil, en bel or de la loi et des prophètes. Et voilà justement que Jésus va perturber Nathanaël, puisqu'il va précisément utiliser ses jarres pour sauver la fête qui risquait de tourner court. Ces jarres vont maintenant contenir le vin de la fête et vont être détournées de leur objet. Comme si l'Évangile nous disait, mais il n'est plus besoin de bénir ce monde rituellement, ou la vie mondaine, ou la vie tout court rituellement. Elle est un cadeau de Dieu à vivre en présence du Christ. Cette ritualité n'a aucun sens. L'économie de la joie communicative, comme celle de la prière communicative, ça ne marche pas par Zoom, la prière. Ça ne marche pas par Zoom, l'humour. Des choses qui ne marchent pas par Zoom. Cette économie de la joie aussi, elle ne marche pas par Zoom. C'est compliqué. C'est compliqué. Et bien voilà, cette économie est maintenant première. Et voici donc l'Évangile nouveau que Nathanaël appelait à croire. La vie de l'humain est une aventure exaltante. Les noces de ce couple de Cana, par exemple, sont comme des images de joie du royaume. L'homme et la femme unis par ce mariage sont véritablement, comme le disait le poème de la création, une image de Dieu. Don de soi pour la joie et la vie de l'autre. Donc la fête n'a plus besoin de rites pour être belle. Elle a tout juste besoin d'être vécue en présence du Christ. Et le troisième qui est déstabilisé dans son approche, c'est Philippe, le grec. Vous avez peut-être un peu de culture grecque. Dans la Grèce antique, les festivités religieuses annuelles étaient destinées à Dionysos. Dionysos, c'est le dieu de la vigne, du vin, et même de certains excès, parce que c'était des fêtes assez excessives. Voilà. Et en fait, c'était une vraie institution pour lui. Et Philippe vivait finalement l'ivresse dans sa culture hellénique comme une forme d'échappement mystique du monde, de ses difficultés, de sa vie. C'est une forme, oui, de refus de voir les difficultés du monde en face, par une échappée d'ivresse ou mystique. Et Philippe est questionné. Alors d'abord, il est rassuré quand Jésus rajoute de 700 litres d'ivresse. Il est d'abord rassuré. Et puis tout à coup, il est questionné parce qu'il se joue quelque chose dans ce récit qui montre que cette ivresse passe à contre-temps. La mère de Jésus doit apprendre que ce n'est pas encore l'heure, alors qu'on se comporte comme si on était au royaume. Et le maître de maison doit constater que ce n'est plus le temps du bon vin, parce que tout le monde est saoul avec sa remarque. Et finalement, ce jeu de temps et de contre-temps, qui n'est pas encore l'heure du Christ, et qui n'est plus l'heure du vin que Jésus vient de changer, enfin de l'eau que Jésus vient de changer en vin. Cette critique ou ce jeu sur le temps montre que l'échappée mystique pour fuir le monde, ses difficultés, ses lourdeurs, celles que nous vivons en ce commencement que j'ai évoqué tout à l'heure, est toujours quelque part en porte-à-faux, est toujours décalée. Soit elle vient trop tôt, soit elle vient trop tard. Parce que justement, l'Évangile nous invite, par ce jeu de temps, à regarder la vie en face telle qu'elle est aujourd'hui, à l'accueillir comme un don de Dieu, à l'habiter tel que Dieu nous invite à le faire. Puisque c'est justement le sens de cette autre parole de l'Évangile quand il est dit « Le royaume de Dieu est précisément au milieu de vous ». Et Tertullien dira « entre vos mains ». C'est ainsi qu'en Christ vous est donné un avenir à espérer aujourd'hui. Tout ça, ça s'est passé à Cana il y a fort longtemps. Mais Cana est le signe
qui nous encourage à vivre dans le monde en plénitude et en partage, tout en gardant une distance critique, sans devenir mondain. C'est ce que nous rappelait l'épître de Paul tout à l'heure, en disant que le Christ crucifié que prêche Paul n'est pas du monde, c'est pas la sagesse du monde. Et en même temps, ce signe nous invite à accueillir la vie comme un don de Dieu et y déceler la trace de sa présence, y compris dans nos épreuves comme dans nos temps de joie. Elle nous invite à regarder en face nos difficultés, nos réalités, à regarder en face aussi l'inadmissible et à œuvrer dans ce monde pour que qu'advienne un monde plus juste, plus respectueux de tout humain, comme de la création, un monde qui permette une vie cohérente et qui fait sens, un monde habité par des gens nourris de l'écriture et de la parole, un monde que le Christ annonce et inaugure et qu'il nomme le royaume de Dieu. Amen. Chantez avec moi le cantique « Tu es là au cœur de nos vies ». Thank you.
voici maintenant les annonces. Donc nous remercions toutes les personnes qui ont assisté à ce culte. C'est pas évident par ce temps. Nous sommes Alexis, M. Krieger, qui nous a fait la prédication, notre caméraman et notre technicien Denis. Voilà, pour la vidéo. Donc il n'y a pas grand chose à dire avec tous ces temps où nous sommes vraiment coincés et que nous ne pouvons pas faire grand chose. Il y a simplement le jeudi, l'ouvroir qui est ouvert, le jeudi après-midi. Donc s'adresser donc à Marie-Claire Cutte. Et je pense que c'est tout. Si, les élections, de vous allez recevoir donc le courrier, vous l'avez peut-être déjà reçu, donc qui se découlera, comme on vous l'a déjà dit, uniquement par courrier. Comment ? Par correspondance, oui, voilà, je suis pris un peu à l'improviste là. Par correspondance, et donc on vous a envoyé tout le matériel, les explications, voilà, pour faire tout ça comme il faut les faire. Donc comme tous les dimanches, il y aura un binôme de prière qui pourra vous accueillir si vous avez des choses à demander au Seigneur, ou alors des choses pour le remercier également, des choses qu'il fait toujours très bien. Le fil rouge, vous savez très bien que tous les dimanches, nous pensons à tous les chrétiens persécutés qui sont soutenus par la porte ouverte. Donc, surtout cette année, c'est vraiment la Corée du Nord où se trouvent le plus de personnes persécutées, et vraiment, et on peut remercier le Seigneur parce qu'il aide toutes ces personnes à croire encore à lui, à tenir leur foi, que leur foi les aide à tenir le coup malgré les supplices, malgré toutes les discriminations dont ils sont l'objet. Voilà, et nous prions donc que le Seigneur les soutienne dans leur espoir, et nous pensons aussi dans notre cœur, nous qui avons vraiment la liberté de pouvoir prier notre Seigneur et vraiment remercier Dieu pour qu'il les aide dans leur foi. Voilà. Et donc l'offrande, je vous parle de l'offrande. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte notre offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Donc vous trouverez une corbeille à cette sortie-là, et sinon la deuxième corbeille se trouve la grande sortie, la grande porte. Voilà. Intercédons auprès de Dieu. Ô Dieu qui préside aux destinées des nations et qui donne la paix à ton peuple, agis toi-même dans ce monde divisé, troublé et ravagé par le Covid-19, avec toute la force de ton Esprit Saint. Éteins dans les cœurs des hommes le feu de la haine et de l'intolérance pour y allumer l'ardeur de ton amour et instaurer la fraternité sur la terre. Transforme les relations entre les peuples, entre les classes, entre les voisins et entre tous ceux qui travaillent et vivent ensemble, afin que tous soient dans la paix véritable, celle qui vient de toi. Ô toi qui préside aux destinées des nations, assiste les gouvernants de tous les peuples, et en particulier ceux de France. Qu'ils gouvernent les peuples avec sagesse et justice, dans l'honneur et dans la crainte de Dieu. Nous te prions pour toutes les églises qui proclament le règne de Dieu en Jésus-Christ, dans toutes les langues des hommes, et notamment ton Église qui est dans l'UEPAL. Bénis le ministère de la parole et des sacrements.
celui du service et de la communion de ses membres. Tiens-toi auprès des personnes âgées, des enfants et des parents, des convertis récents comme des fidèles de longue date. Entends les cris de ceux qui sont persécutés, ceux qui vivent dans l'exclusion, la marginalisation, les déshérités et les sans importance. Délivre ceux qui sont victimes de la tribulation. Ô Dieu, soulage et apaise les malades, et notamment ton serviteur Pierre Fox, et tous les autres malades de cette église locale. Dans tes compassions, fais prospérer la grande œuvre de la mission chrétienne. Puisse ton évangile devenir la puissance du salut. Qu'il soit proclamé dans l'Église par les moyens modernes de communication. Donne-nous le courage d'innover pour nous adapter à ce contexte du Covid-19 qui a déstructuré les rapports sociaux, politiques et économiques des nations. Nous te prions pour l'œuvre incessante de ton esprit qui convainc des péchés et qui convertit les pécheurs, régénère, console et perfectionne dans la foi et conduit dans la vérité. Nous t'apportons toutes les préoccupations de nos foyers. Transforme les rapports familiaux en rapports d'amour harmonieux. Réconcilie l'aliéné. Console l'offensé. Pardonne les débiteurs. Puissions-nous vivre dans la joie de ton alliance avec toi en tant que parents et enfants. Dieu notre Père, notre paroisse, ton Église qui est dans la paroisse réformée de Thionville, comme toutes les autres paroisses de l'Union, va dans les prochains jours choisir librement ses conseillers, ceux-là qui sont appelés à façonner et à donner forme aux affaires de ton Église. Utilise les fidèles, comme des instruments à ton service. Inspire-les pour qu'ils opèrent le choix de Dieu et dote notre paroisse et les autres, des hommes et des femmes qui honorent ton nom et qui travaillent résolument à l'édification de ton Église. Entends tes enfants, ô Père, nous te prions dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous savons que tu nous entends et que tu nous exauces, car tu ne t'appauvris pas en nous donnant, et tu ne t'enrichis pas en retenant ce que nous te demandons au nom du Christ. À toi le règne, la puissance et la gloire dans le monde, pour toujours, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous lever pour dire avec moi la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Ainsi donc, bien-aimés de Dieu, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis à lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermés par la foi et débordant de reconnaissance. Ainsi donc, bien-aimés, vous qui aimez le Seigneur d'un amour inaltérable, je vous recommande à l'Éternel et à sa grâce qu'il nous a promise. Il vous bénit et vous garde, celui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit,
dans l'unité du même Dieu. Il bénit votre départ et votre arrivée. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Chantons pour terminer le cantique « Règne en moi ». À dimanche.